lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Tueurs d'Africains. Tu cours comme ça? Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. T'habites ici depuis longtemps? Depuis toujours. Ici, j'ai toute ma vie. J'ai mon petit frère, j'ai ma mère et j'ai un grand frère. La vie, c'est une question de choix, c'est tout. Sauf que toi, ton choix, il a tué papa. C'est mon choix, il a tué papa ? Bonjour, maman. Fous-moi la paix. Laisse-moi le temps. Sors de ma vie. Je n'ai rien à voir avec toi. Lors de l'arrêt de détermination, car ceci n'est pas une... Maman, montre-moi au lieu de parler. Tu nous as, il va le chercher. J'ai trop honte, mon bouquet. Lui, là, il suit le même chemin que l'aîné. Et je vais maintenant vous révéler le sujet de votre débat. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Vous avez la parole. La banlieue, je la connais. Lorsque deux banlieusards plongés dans le trafic de drogue entrent dans une guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin? Lui ordonne, vous presse son doigt malgré lui sur la détente? J'emmerde votre juge, j'emmerde votre hypocrisie!